KXTC Podcast. Le patrimoine durable, quel thème ? Il est tellement logique que le patrimoine, ancré dans l'histoire, soit associé au qualificatif de durable que l'on oublie parfois combien il est fragile. Fragile au regard du temps qui passe, fragile aussi dans les mémoires de celles et ceux qui, dans leur quotidien, le côtoient sans lui porter attention. Les journées européennes du patrimoine ont l'ambition de remettre en lumière ces sites. La ville de Brignoles a choisi la photo, le street art, la visite guidée, le jeu, la lecture, le théâtre et même les travaux pratiques avec des ateliers zéro déchet puisque notre environnement a lui aussi une valeur patrimoniale forte pour sensibiliser petits et grands aux beautés qui nous entourent. Laissez-vous tenter, guider, séduire pendant ces deux jours orchestrés en parallèle avec la fête de la prune, fruit emblématique de la cité des Comtes de Provence. Durant les journées du patrimoine à Brignoles, quelques sites à visiter. Samedi 17 septembre 2022, exposition photographique Brignoles et son patrimoine discret. Exposition Fantastique Fontaine par Eliane Bacchini, artiste. Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais. Spectacle Sansumian, la légende, halle des expositions, entrée libre. Dimanche 18 septembre 2022, place des Comtes de Provence, orgue de Barbarie, photographe de rue, jeu ancien en bois, atelier de fabrication de produits zéro déchet. Monument à visiter, église Saint-Augustin, visite du presbytère de Brignoles. Tout le week-end, archives municipales, musée des Comtes de Provence, église Saint-Sauveur. Le samedi 17 septembre 2022, centre-ville, place Carami, à Brignoles, dans le Var, aura lieu la fête de la prune. Marché gourmand et de producteurs, fromage, confiture, jus de fruits, gourmandises, vin d'apéritif, miel, savons artisanaux à la prune, tisane, etc. Confrérie de la pistole, démonstration de transformation de prune en pistole, 10 heures défilé au départ de la maison des services publics, 11 heures intronisation par la confrérie de la pistole. Plus d'informations sur le site de la ville de Brignoles et sur le site laprovenceverte.net. KXTC Podcast.